Nous avons toutes et tous des droits sociaux. Les allocations familiales, la couverture maladie universelle, le RSA, les APL, autant de soutiens que nous avons ou que nous avons eu un jour pour certaines et certains d'entre nous. La lutte contre le non-recours et l'accès aux droits et aux services sociaux constitue un des axes stratégiques des politiques de prévention et de réduction de la pauvreté. Parce que souvent, par méconnaissance, par honte parfois, de nombreuses personnes dans le besoin ne réclament pas les aides sociales auxquelles elles ont droit. Un droit est un acquis, puisque décidé et approuvé par le Parlement et provisionné dans le budget général de l'État pour faire en sorte que les allocataires bénéficiaires ne perçoivent rien que leurs droits, mais tous leurs droits. À savoir que 5 milliards de prestations sociales sont en moyenne non dépensées par an. Une véritable avancée serait de rendre ces droits automatiques pour toutes et tous. Schématiquement, cela voudrait dire que l'administration calcule ces droits lors d'un changement de situation et les verse directement pour éviter le décrochage des plus fragiles d'entre nous. Cette mesure n'est pas une mesure favorisant l'assistanat, comme je peux déjà l'entendre par ailleurs, mais véritablement une mesure de justice sociale, puisque toutes les Françaises et tous les Français, sans distinction, seraient traités de la même façon. La question du non-recours vient récemment de refaire surface dans l'agenda politique et, en tout cas, dans les discours. Mais il faut rester prudent avec ce projet, car derrière les considérations techniques, il y a toujours des enjeux très politiques et on sait ce que cela peut donner.